Nous, les chômeurs, on kiffe la nuit. Voilà. On se sent comme tout le monde. La vie de ma mère, y a personne au boulot le soir. Mais demain, on est différent. Les intrus de la société, les mal-aimés, les rejetés. Ouais, sur un site de rencontre, je me régale, les amis. Je rencontre personne, mais voilà, c'est. Il y a une meuf, elle me dit quoi? Ouais, Momo, mais imagine le jour où tu me vois, je te plais pas. Je te quitte. Logique. Momo, ça fait combien de temps t'es célibataire? Je suis en couple, mais c'est compliqué. On se voit quand? Oh, ça fait une semaine que je parle avec une meuf, elle m'a toujours pas demandé ma photo. Quand une meuf te demande pas de photo, c'est qu'elle est super moche. Elle veut pas que tu lui demandes de photo toi aussi, la vie de ma mère. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Ouais, Momo, je sais pas si tu supporteras mon caractère. Tant que tu baises, y a pas de souci. Oh, les meufs, quand elles peuvent pas nous voir. Oh, les excuses qu'elles sortent. Il y a la cousine de ma tante qui va se marier avec le beau-frère à mon neveu. Je dois faire le poulet. Et ferme ta gueule, menteuse. Voilà. L'excuse préférée des meufs. Je garde mon neveu. Voilà. Mais ton grand-père qui fait des vœux. Voilà, sale menteuse. T'as pas de neveu. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? Entendez les excuses des meufs? Voilà, il n'y a que les meufs qui ont des excuses comme ça. Ouais, je dois attendre la tante à ma mère parce que je garde le chien à ma tortue et je dois rendre les clés à mon beau-frère. Voilà, c'est un truc. Comme j'aime pas les meufs qui galent, elles veulent pas t'envoyer de photo. Finalement, elle veut t'en envoyer une. Elle est comme ça, la photo. Voilà, tu vois rien. Voilà une tête, votre tête de pouce, là. Voilà. Je veux parler d'un truc. Les meufs qui n'ont pas de vie et qui se servent de leur bébé pour faire des snaps. Vos grand-mères, ton bébé, ton père l'oignon. Voilà. Laisse ton bébé tranquille. Voilà. Oh, il y a des meufs, tu dis envoie une photo. Elle t'envoie une photo d'il y a 8 ans, j'ai que celle-là. Mais ton grand-père, la carte postale, qui travaille à la banque postale, est-ce que tu te fous de ma gueule? T'es une meuf, t'as pas de photo. Voilà. Combien de fois je me suis fait baiser par des meufs sur Internet. La meuf, elle t'envoie une photo, elle ressemble à Nebila. Tu la vois en vrai, c'est Nebil Fekir. Oula, mon frère. Oula, Nebil Fekir. Grosse, grosse dédicace au frérot Yanis le Belge. Vos grand-mères, les Yanis, qui habitent à Nice. Je vous nique. Fais une passe, fais. Eh oui, c'est moi. Tiens. Voilà, go au bureau tabac, les amis. C'est la bonne aujourd'hui. Voilà, la daronne en T-Max, frère. Oh la buraliste, grosse folle. La vie de ma mère, t'auras même plus de chaussettes cet hiver. La buraliste en ballerine, tes pieds vont être bleus. Oh là, espèce de cordon bleu. Les gens, ils prennent jamais de risques, ils se plaignent de pas avoir de meuf. Oh là, ils sont là, ouais, j'ai un match. Real Madrid gagnant contre Nîmes. C'est quoi vos matchs de merde? Prenez des gros risques, les amis, la vie de ma mère. Les amis, aujourd'hui, c'est Ligue des Champions. Place aux champions des pronostiqueurs, les amis. Nico Porno, pas de perdant, les frères. Il a fait passer des matchs hier. Je vais vous montrer ça, la daronne en jet ski, bang bang. Qui, les amis? Qui, bordel? La vie de ma mère. Rappelez-vous, il y avait zéro sur ce compte. Incredible, des Lionel, Diego, Nico, Porno, McDo, Philo, Fichtovin. Regardez, les amis, la vie de ma mère. Les paris sont passés, bang bang. Ligue des Champions, les amis. Pour avoir accès à ces matchs, il faut s'inscrire au groupe, les amis. La daronne en Harley Davidson, il faut s'inscrire, les amis. Ça prend 30 secondes. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour votre daronne. 200 € faire l'inscription et un mot gratuit, les amis.